Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans la nouvelle voiture Vision et franchement, elle est plutôt pas mal. On va pas parler de la Vision, on va parler de la chaîne, du futur de la chaîne, car tout simplement, vous savez que les études ont repris ici en Suisse pour moi. Ça fait bientôt une semaine et franchement, le rythme est assez soutenu. J'ai qu'une seule année pour pouvoir réussir à faire ma maturité. Ça veut dire beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup de concentration. Mon hobby, bah voilà, c'est les jeux vidéo et la musique. Et franchement, vu comment la chaîne est en train d'augmenter en abonnés, comment elle commence à fructer, je crois que ça se dit comme ça, comment elle commence à bien fonctionner, on va dire ça comme ça va être beaucoup plus simple. Bah, ça me fait super plaisir et j'ai pas envie de lâcher ça. Donc c'est vrai, voilà, j'ai fait beaucoup moins de live, j'ai fait beaucoup moins de vidéos parce que tout simplement j'ai moins de temps. Les jours où je peux faire des lives et des vidéos, ce sont les mardis matin et les jeudis matin. De temps en temps, je pourrais faire des lives le soir et le week-end. Mais voilà, les moments les plus favorables à faire des vidéos, des lives et des trucs dans le genre, c'est le mardi matin et le jeudi matin. C'est pour ça que tous les mardis et tous les jeudis matin, je ferai un live. Et le live, bah voilà, ça sera ou sur un glitch qui a été patché, ou sur un délire, ou sur les nouveaux véhicules. Enfin voilà, il y aura un live tous les matins pour ceux qui n'ont pas cours pour le moment. Une fois que bah, tout ça, tout le monde aura repris les cours, faire des lives le jeudi matin et le mardi matin, je ne pense pas que ce sera très 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 utile. Je me retrouverai avec moins de vues et peut-être plus, bah, voilà, plus de galères à essayer de ramener des gens. Donc, l'objectif c'est d'essayer de faire des lives tous les soirs, mais des lives de 1h30 maximum. Pourquoi 1h30 maximum? Car tout simplement, bah, faut penser que de temps en temps, je vais devoir me mettre à bosser. À la place de lancer un live, bah, je devrais bosser. Alors, c'est pour cela que je vous parle de tout ça. C'est que les études, bah, c'est très important pour moi. J'aimerais aller à l'université après, mais sans ma maturité, je ne peux pas le faire. Et la promotion est faite au semestre. Donc ça veut dire que les 6 premiers mois, si je n'ai pas une moyenne de 4 avec 2 notes insuffisantes à 3,5, donc je parle je suis en Suisse, avec 2 d'écart, bah tout simplement, je suis non promu. Et l'objectif, c'est de réussir mon année. Surtout que j'ai 10 heures de maths par semaine et c'est pas super super tout ça de savoir que 10 heures de maths, je dois avoir la moyenne à 4 et tout. C'est pas facile, je vous le dis franchement, c'est pas facile. Moi, j'ai envie de continuer YouTube, je suis très motivé, j'ai envie de continuer à vous poster des glitches et tout, mais c'est pas facile. Quand il y a un glitch qui sort à 2h, puis je dois rentrer chez moi, je dois étudier, je dois essayer le glitch, vous faire la vidéo, vous lancer le live, vous voyez que ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que mes chers acolytes YouTubeurs, Esso et DJ, eux qui ont un peu plus de temps, puissent regarder pour moi les glitches, puissent les tester, puissent me dire s'ils marchent. Et puis si ça marche, bah, ce sera sur leur chaîne que vous retrouvez ces glitches. Alors, j'en ai parlé avec Esso. Esso est plutôt partant. C'est DJ qui est un peu peureux. Enfin, voilà, les glitches, c'est pas trop son fort. Il est plutôt sur Battle, sur GTA, en mode délire. Mais de temps en temps, il vous postera des glitches. Il est beaucoup sur Minecraft. Donc, les gens, allez visiter les deux chaînes de Esso et de DJ. Je vous laisserai les liens en description. Et à la fin de la vidéo, vous aurez les deux bubules pour vous abonner à leur chaîne. Moi, j'ai aussi une autre chose à vous dire. On a fait un live récemment où j'ai eu un peu un coup de gueule et il y a eu beaucoup d'émotions. Ce live-là m'a fait énormément plaisir et j'aimerais que, bah voilà, il y ait plus de lives comme ça. Comme vous savez, et je vous l'ai dit plusieurs fois, j'essaie d'être le plus honnête avec vous, le plus transparent possible. Et oui, j'ai fait un gros coup de gueule sur certaines chaînes YouTube. Mais franchement, je pense que ça en valait la peine car après avoir vu comment ça se passe et tout ça, je trouve ça juste dégueulasse. Donc, moi, j'aimerais vous remercier énormément, tout simplement parce que voilà, vous me motivez à fond, mais un truc de dingue. Même quand je vois la barre d'abonnés qui se baisse car il y a un YouTuber qui s'est un abonné qui s'est abonné avec ses 10 comptes et puis bah, pour finir, il n'a pas kiffé. Quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais franchement, vous êtes les meilleurs. Vous êtes une communauté extraordinaire. Même si peut-être vous suivez des youtubeurs que moi je trouve pas normal qui soient sur YouTube, qui se foutent juste de la gueule du monde, je m'en fiche. Vous êtes abonné à moi, vous me suivez, vous êtes là pour me soutenir, vous êtes là pour vous amuser avec moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de lancer une nouvelle série avec vous.
Cette série, bah, faudra vous abonner à mon crew, vous abonner à la chaîne aussi. Faudra me suivre dans le crew et tout simplement, à chaque fois que je lancerai une session de crew, vous pourrez me rejoindre. J'ai deux comptes maintenant, je vais faire en sorte de mettre bah voilà, le crew. Je vais mettre le crew sur les deux comptes et puis à chaque fois je ferai invité ami du crew, vous aurez tous la notification. C'est très simple, les deux comptes c'est RomaRoma1 et RomaRoma2. Il n'y a rien de plus simple. Un compte et un compte lobby, RomaRoma2 et RomaRoma1 est mon compte principal depuis toujours. C'est le compte sur lequel je vous montre le plus de glitch possible pour vous montrer que quand on a bien commencé le jeu et qu'on est niveau 379, c'est pas facile de trouver des façons de faire le glitch. C'est pour ça qu'il faut créer un second personnage. Et puis vous faites les glitches sur le second personnage. Je pense que j'ai dit et balancé assez d'informations dans cette vidéo. Vous avez pu voir aussi un joli gameplay de la Ruston, voir comment elle se conduit, de la Ruston, de la Vision, le nouveau véhicule. Franchement, il se conduit plutôt bien. Ça fait quelques heures que je l'ai en main et franchement, je commence à bien la kiffer. Avec DJ, on a fait un petit test pour voir laquelle est la plus rapide entre la T20 et la Vision. C'est la Vision qui est rapide pour quelques millièmes de seconde, mais franchement, sur une longue distance, on voit clairement la différence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces informations vous plaisent et que voilà, vous allez me soutenir à fond. J'aimerais bien que bah voilà, vous bombardiez la barre des pouces bleus et en plus de ça, bah les amis, vous lâchez un gros commentaire positif. Pourquoi pas ne pas passer dans la prochaine vidéo avec votre commentaire, ça me ferait super plaisir. En tout cas, les amis, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum. Ciao tout le monde!